Et coucou tout le monde, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se retrouve dans Hitman pour un autre contrat communautaire qui s'appelle Merci. Ça se déroule à Paris, on a 5 cibles à éliminer avec aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Donc vous pouvez constater que je me suis habillé en kimono. Voilà, point d'entrée, donc le tapis rouge, avec dans l'inventaire la corde à piano, le 5 mm personnalisé, les pièces de monnaie, et c'est tout ce dont on a besoin. Si j'ai caché le Masamune dans l'abri de jardin à côté de l'hélicoptère. Donc là, on va s'occuper de ce kono, c'est celui-là, voilà. Normalement, comme c'est lui le plus proche, bah il va arriver ici, tout simplement. Déguisé en garde du corps, on récupère son pistolet pour pas le laisser traîner, les pièces de monnaie. Oh, puis quoique non, je vais passer de l'autre côté, tiens. Comme ça, ça vous prouvera que habillé comme ça, on fait vraiment ce qu'on veut. On aurait pu passer par derrière. Ouais, tu vas aller jeter un œil, quoi. Bien sûr. Ah, oh, puis finalement, allez. L'avantage en garde du corps, c'est qu'on peut comme ça se promener avec une arme à feu, n'importe laquelle, et vraiment n'importe quelle arme aussi, ça peut être, je sais pas moi, enfin un sabre et tout, enfin vraiment n'importe quoi, du moment que t'as un port d'arme de base sur le PNJ, ben, tu fais vraiment ce que tu veux quoi. Donc ça c'est bon. Le premier garde du corps est parti. Maintenant, le deuxième, ce serait une bonne chose qu'il parte. Voilà. Ça, c'est bien. T'es sage. Impeccable. Donc ça c'est pratique, mais il fallait de toute façon absolument faire diversion et attirer l'autre gars avec une pièce. Une pièce ou un autre objet que vous balancez, hein. C'est pas obligé que ce soit une pièce. C'est pour ça que j'avais un marteau justement avec moi au cas où. Là je récupère ma pièce qui était là sur le côté. Enfin ma pièce. On a compris. Là, je me dirige vers l'escalier qui me mène à l'avant-dernière cible. Je vais l'assassiner avec le Masamune.
Hop là. Et là, hop, on se dirige vers la dernière cible. Ah, c'est vrai que je connais par cœur, donc je cours, je cours. Ah, il y a des contrats où je marcherai plus lentement. Là, toujours faire attention à celui-là, bien que, bon, ça va. Il pose aucun problème. Allez, on va plutôt l'amener par là. Et voilà. C'est parti. On peut sortir par cette sortie. Voilà, voilà, j'espère que vous allez apprécier ce contrat autant que moi. Et donc retrouvez-moi sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se dit à bientôt pour un nouveau contrat à la une de Hitman.